Direction la pointe percée. Alors comme aujourd'hui c'est la fête à Lormet, eh bien ils nous ont fait garer sur un parking aménagé. Parce que la route est fermée. Et du coup, je vais me diriger vers les confins. Il y a un GR là-haut. Et je vais monter vers la pointe de Tardevant. On traverse le petit pont, la piste de ski de fond, et c'est tout droit, ça grimpe. Il est très joli ce sentier, ça vaut le coup. Direction la Bombardelle. Toujours pareil, Bombardelle et lac de Tardevant. Arrivé au lieu dit la pierre marquée, on trouve un gros chemin qu'on va suivre à la montée. Cap à droite, direction Tardevant. Sympathique abreuvoir, juste au-dessus du refuge. Et on continue. À gauche, c'est vers Montfleury, Montcharvet. Et à droite, voilà la fameuse combe de Tardevant, avec juste au-dessus les aiguilles noires, les rochers de la Sala, et tout en haut dans les nuages, la tête de Pacali. Un champ de gentiane. Avant le chalet de Tardevant. On rejoint le chemin qui vient des confins. Et on poursuit. Laisse le chalet à droite pour monter dans la combe. Et un peu au-dessus, on arrive sur des rochers à fossiles. Apparemment des huîtres. Superbe éboulis sur la droite de la combe. Il y a quelqu'un qui descend d'ailleurs là-bas. Bonjour. Oh, c'est un éboulis grossier qui doit être difficile à descendre. Et voici le lac. Moi, je vais continuer vers le haut, pointe de l'Embrevette. Le lac et ses nombreux touristes. Thank you.
joli coussin. On voit bien l'itinéraire en haut, dans les éboulis. Jolie pelouse alpine. Apparemment, il y aurait un passage vers la tête de Pacali. Alors, je suis tenté. Je vais essayer d'aller voir. Le passage dans les boulis se perd par endroits. Il faut rester sur la gauche. Et ensuite, on retrouve une trace qui passe en travers et qui apparemment se dirige vers une petite bosse verte. Apparemment, le sentier rejoint ce qu'on va appeler le col de Tardevent. De l'autre côté, il est bien tracé aussi. Allez, je file à droite. On arrive assez facilement au col. Il y a juste un passage où il faut faire attention de ne pas glisser. Après, par contre, c'est une petite sente glissante qui passe une fine arête et qui aboutit dans un petit couloir assez raide. Alors, je ne sais pas s'il est praticable ou pas. Je vais vite aller voir. Bon, ici, il faut être très prudent. Hein. Bon, ça a l'air bon. Je pense qu'à la montée, ça doit passer. Mais aujourd'hui, c'est tout glissant, donc je vais éviter. Je vais retourner sur mes pas. Mais dans le but d'une traversée, c'est un bon passage. Ça se lève un peu. Et ben, j'ai tout ça à traverser pour l'instant, pour arriver au sommet là-haut. Très très jolie cette grande casse là. Pleine de cailloux partout. Voilà, je suis passé à l'Ambreveta en bas. Et puis là, il y a une arête assez effilée qui doit rebuter pas mal de gens qui ont le vertige. Et je suis arrivé à la pointe de Tardevent. Là-bas, c'est Pointe Blanche, Jalouvre, Bargy. Montcharvet en gris, Montfleury en vert, Pointe Percée au fond. En bas, c'est Versalanches et Saint-Gervais. En haut, c'est le Mont Blanc. Et là, c'est la chaîne des Aravis en enfilade. Aujourd'hui, on voit pas grand-chose, c'est dommage. La Clusaz. Le Grand Bornand. Là, c'est le Lachat au-dessus de Tonne. Et là, c'est l'autre Lachat du Grand Bornand. Voilà, il fait le tour. Le petit couloir qui permet de descendre de l'autre côté, côté Salanches, se situe juste à droite de l'Ambrevette. Apparemment, c'est par ici. Effectivement, ça descend, ça a l'air un peu craignos. Je vais aller voir d'un peu plus près. Bon, c'est un peu impressionnant, mais ça passe quand même bien. Après, c'est un tout petit peu plus délicat, mais bon, avec les mains, avec les bâtons, ça passe. Et puis là, il faut traverser au-dessus des dalles, là, pour retrouver un bout de chemin juste après.
Bon, là, les dalles sont sèches, donc ça pose pas beaucoup de problèmes. En passant vite, même, ça va très bien. Mais bon, si c'est mouillé, vaut mieux éviter, je crois. En plus, faut faire très attention parce que avant de se tuer, on peut se faire très mal quand même. Il y a de la chute. Voilà, là, je suis arrivé sur le sentier, ça va déjà beaucoup mieux. Après le pas de l'Ambrevetta, voici arrivé au passage de la Grande Forque, là. Un peu à l'abri du vent, il fait pas très chaud. Peut-être que je redescendrai par là tout à l'heure, je sais pas encore. Et de là, sur les conseils d'un montagnard croisé à Tardevent, je vais essayer de suivre l'arête de la Besse. Très jolie arête. Et de descendre faire un tour dans la Combe des Fours. Il paraît que c'est magnifique. C'est tout simplement magnifique et impressionnant par ici. Alors, suivre l'arête est un peu délicat, c'est du rocher délité. Donc il est conseillé de suivre le chemin plutôt. Mais bon, c'est intéressant parce que il y a quelques bébêtes dans le coin. On peut dire que ça se repose dur par là. Profite un peu du soleil, hein. Un vieux mâle. Bon, là je pense que je vais les déranger, c'est dommage, mais c'est le seul passage. Plein en fait. Je vais essayer de passer en dessous pour pas réveiller le mâle là. Enfin le vieux mâle. Je l'ai un peu dérangé, mais il s'est vite réinstallé. Ils n'ont pas peur, ils ont l'habitude. Bon, là, ben, ça passe plus. Je vais donc essayer de me débrouiller à travers ce beau pierrier, là. Pour rejoindre la croupe verte en face. Voici arrivé sans encombre au col de Portette, les bouliers étaient très bons. Et là, ben, je vais monter l'arête de la Besse.
Me voici en haut de l'arrêt de Besse. En bas, ça doit être les chalets de cœur. Et en face, c'est Croisebollée. Sympa à faire aussi ça. Ça longe évidemment. Je vais finir la traversée de l'arête pour descendre en bas dans la Gouille. Cette combe est vraiment magnifique. C'est très vert. Après cette superbe découverte, il se fait tard, j'ai pas le temps de chercher un autre itinéraire. Je vais donc devoir remonter là-haut. Où j'étais tout à l'heure. Mouton au col de Portette. À l'aplomb du col de Portette, il faut suivre les endroits herbeux. Et bientôt, on aperçoit le départ du sentier. Voilà, un joli sentier. Carnet en plus. Et là, ça va rejoindre l'arête grise, là où je l'ai laissé, là où j'ai laissé le sentier tout à l'heure. Retour au passage de la Grande Forcle, où il y a toujours autant de vent, mais encore plus froid. Et cette fois, ben, je vais descendre dans la combe de la Grande Forcle. Ça doit être amusant avec le névé. Dernier coup d'œil à une combe que je recommande à tout le monde, c'est magnifique. Et hop, c'est parti. Après, le Pierrier plutôt sympa. Voici le névé plutôt cool. Vraiment super ce névé éternel, on va dire. En bas, ben, on retrouve le chemin. C'est légèrement fléché en rouge. Plus bas, ça traverse une zone un peu rocailleuse. Il faut se diriger vers le petit monticule vert où paissent les moutons. Jolis ces moutons. Puis le bélier aussi. Il y a le petit qui arrête pas de bêler là-bas. Très joli le passage du monticule vert. En vue des chalets de la Bombardelle en dessous, c'est là qu'on va. Un chamois.
Il est loin, ça rend pas bien. Voilà, sinon j'ai aperçu un bout de sentier sur la droite là-bas, donc je vais essayer de prendre celui-là pour voir. Sympa le petit sentier qui m'a ramené directement au chalet. Et de là, ben, je prends le GR en direction du Planet, puis des troncs. J'avais pas bien vu sur la carte, mais le GR qui monte vers le Planet est très long. Et il monte beaucoup. Donc là, j'ai pris un petit raccourci qui rejoint le sentier qui va au tronc, juste en dessous le Planet. Le chalet de Platuit. Puis vers le fond, là-bas, on aperçoit les confins. On rattrape le large chemin forestier qui descend vers les troncs. Alors c'est pas vers en haut comme semble l'indiquer la flèche, hein. C'est vers en bas. On quitte le chemin forestier pour un petit sentier plus accueillant. Oh, un petit pont, c'est sympa. Le sentier est très joli, hein. Je regrette pas mon détour du coup, c'est bien. Et voici le parking des troncs. Alors il est désert évidemment, parce que la route était fermée ce matin. Et puis il est déjà bien tard. Voilà, maintenant c'est la route jusqu'au plan où je suis garé. Et me voici à Lormé et son auberge nordique. C'est là qu'il y avait la fête. C'est pour ça que j'ai dû modifier mes projets en fait. Ici, c'est le stand de tir du biathlon l'hiver.